S'il vous plaît, monsieur. Chamouni, où c'est? Pourquoi c'est pas indiqué, là? C'est normal, vous êtes à Brest, là. Mais quoi? Mais donnez-moi ça. Il y a écrit Chamouni sur mon billet, c'est mes yeux ou quoi? Ouais, ça doit être vos yeux. Ouais, c'est mes yeux. Oui, c'est bien moi. Accrochée dans le vide, en suspension au-dessus de la mer. J'avais envie de sensations fortes. Je suis servie. En arrivant 2 jours plus tôt à la pointe du Finistère sur la presqu'île de Crozon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai rendez-vous avec Yannick Tissier, moniteur d'escalade. Bonjour Yannick. Bonjour. Tu vas bien? Comment tu vas? Pas au top. Ravie de te voir ici. Je suis contente d'être arrivée sur la presqu'île de Crozon, déjà, pour commencer. Ouais. Quand on m'a dit que je venais découvrir l'escalade ici, j'étais ravie. Mais je me suis juste posé une question en arrivant. Je me suis dit, je vais découvrir l'escalade, mais je commence en kayak. Il y a quelque chose que je... Eh ben, parce qu'en fait, grâce au kayak, on va pouvoir aller s'approcher, on va pouvoir aller au pied des falaises, aller voir un peu la... le côté impressionnant de la falaise, du coup. Et puis, donc tu veux d'abord m'initier en me rapprochant un peu de la roche, quoi, c'est ça? Ouais. Mais vu du bas. Vu du bas, ouais. Comme ça, on va voir si tu te sens capable d'aller grimper sur les falaises après. Donc toi, aujourd'hui, ta casquette, c'est quoi? Je pars avec qui, en fait? J'ai quand même envie de savoir qui tu es. Je suis le moniteur d'escalade. Moniteur d'escalade. Je suis pas moniteur de kayak. Hop là. Il paraît qu'il y a de la houle à l'extérieur. T'es tout de suite un petit peu plus en difficulté. Ouais, moi je le sens. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est... Moi je suis pas kayakiste, hein, je t'ai prévenu. Hein. Moi je suis moniteur de voile quand j'étais gamin. Ouais. Du kayak je faisais quand il n'y avait pas de vent surtout. Et comment t'es passé de moniteur de voile à moniteur d'escalade? Oh, c'est un long procédé, je pense. J'ai fait moniteur de voile très très jeune. J'ai commencé à être moniteur à 15 ans. Et tous les saisons d'été, moniteur de voile. Et en fait, comme j'étais assez timide quand j'étais gamin, mais très timide, on va dire. Et je me suis aperçu qu'en étant moniteur de voile, j'ai réussi à vaincre ma timidité. T'as réussi à vaincre ta timidité? Ouais, quand même. Grâce à la voile? Enfin, grâce à l'encadrement, en fait, quelque part. Et après, du coup, par la suite, j'ai découvert l'escalade. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ce que j'ai déjà fait en voile et faire de l'escalade, moniteur d'escalade. Alors, ça a mis un moment. Mes parents m'ont emmené, en fait, me balader à la pointe de Pénir. Et là, grosse surprise, j'ai découvert des grimpeurs. À ce moment-là? Ouais, j'ai découvert des grimpeurs avec des mousquetons. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je croyais que les grimpeurs, c'était que en montagne, quoi. Enfin, que à la télé. Ouais, je comprends. Et Patrick Hedlinger et tout le tralala, quoi. T'imaginais pas des grimpeurs ici? En Bretagne. En Bretagne. Et donc là, mon cher Yannick, on va aller se frotter aux cailloux? Ouais. T'as déjà grimpé ici? C'est déjà arrivé, ouais. Quand t'es en bas de la falaise, que tu regardes comme ça, c'est impressionnant. Et en fait, faut réussir à se lancer dans l'escalade, à monter. En fait, c'est un mouvement après l'autre qui va te permettre de grimper jusqu'en haut. En fait, c'est l'élan d'oser au début qui est le plus dur. Ouais, faut avoir l'envie d'y aller. Là, on est sur les falaises de Morgat. Ouais. Et demain, eh ben, on va aller grimper sur les falaises de Pénir. Ouais. Et pour aller grimper sur les falaises de Pénir, Monsieur Yannick, je dois commencer par faire quoi? On va commencer par le début. Tu vas peut-être d'abord faire un petit essai en salle pour voir déjà tes aptitudes, en fait. Savoir okay. Si tu as le vertige
Bon, là, on peut pas savoir si t'as le vertige. T'es en bas, là. En tout cas, j'ai pas le mal de mer. T'as pas le mal de mer. Moi, je commence. Direction l'atelier des Capucins à Brest. Mon entraîneur n'est autre que Serge Hardy, un alpiniste de l'extrême qui a décroché le titre de Léopard des Neiges. C'est-à-dire qu'il a gravi 5 montagnes de plus de 7000 mètres en ex-URSS. Voilà, ça s'appelle comment là où on est là? Le bottleneck. Ah, c'est ça, c'est mythique. Hein. C'est massif, ouais. Ouais, c'est mythique, ouais. Là, c'est le gros serac qui tue là au-dessus. Là. De toute façon, c'est pas la peine de courir, t'arriveras pas. Voilà, K2, 6007. Précisons qu'on est en été, bien en été, on est le 10 juillet. En 2022, il a tenté l'ascension du K2 au Pakistan qui culmine à 8611 mètres. Mais à 300 mètres du sommet, la météo le fait renoncer. Prochaine tentative dans quelques mois. Serge vit en Bretagne depuis plusieurs années. Loin de la haute montagne, c'est sur les falaises du Finistère ou en salle d'escalade qu'il maintient sa forme physique. En fait, je suis venu à l'escalade par l'alpinisme. J'ai découvert ça à peu près autour de 2000, par l'intermédiaire d'amis, hein, de copains là, qui m'avaient emmené en montagne. Et puis ça m'a attrapé et ça m'a pu lâcher. Quoi. Alors que la première ascension que j'ai faite, j'en suis sorti, mais alors rincé, en disant « plus jamais ça, hein, plus jamais, c'est hors de question, on m'aura plus à ce jeu-là, j'ai cru que j'allais mourir. » Allez, pense bien à délayer les bras hein, quand tu peux. Alors en fait, je suis enseignant en lycée professionnel, ça c'est pour une partie, et puis en fait, il y a une partie où je travaille pour une association qui s'occupe de jeunes qui sont, pour des raisons diverses et variées, qui sont déscolarisés. Notre principal objectif, ça va être de réconcilier ces jeunes avec le fait d'apprendre, l'apprentissage, les réconcilier avec le monde des adultes aussi. De faire que quelque part les gens puissent sortir de la condition dans laquelle la société telle qu'elle est les a mises. Ça me plaît bien. Tu as clippé ton deuxième point, mais tu vois, tu as pris la corde par dessous. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour Marine. Est-ce que j'ai le droit de mettre mes pieds comme ça? Ouais, t'as le droit de mettre tes pieds comme check. Ça. Check. Ouais. Bon, comment ça s'est passé? Ça va. Hein. Augustin, il était en forme. Hein. Augustin, t'es monté tout en haut? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. T'as fait quelle paroi alors aujourd'hui? Là, on a monté la 5B en tête. Ça veut dire que t'es pas attaché en haut. Ok. Et petit à petit, tu clips. Et j'ai fait une 5A+ là-bas, du coup, aussi en tête. Ce qui est étonnant, c'est qu'avant d'arriver ici, on m'a dit je vais rencontrer un alpiniste à Brest. Ouais. Je trouvais qu'il y avait deux choses qui n'allaient pas ensemble. Ouais. Je me suis dit alpinisme et Brest. Ouais. Je me suis dit c'est deux mondes qui se rencontrent. Il y a des marins suisses. Absolument. Bon. Donc. Le mur d'escalade, ça va nous permettre d'appréhender la paroi. Ouais. Ça va être de trouver une gestuelle, tu vas trouver des placements, de pas toujours être de face. Ouais. Tu vois, par exemple, d'essayer de se mettre sur le côté, tu vois, c'est beaucoup plus confortable en fait des fois quand t'es sur le côté que quand t'es vraiment en face. Voilà. Après, si tu vas avoir les trucs de base, si tu veux de savoir mettre un baudrier, savoir s'encorder. Bon alors, je vais me changer. J'ai besoin de quoi? Baudrier. Chaussons. Et pour la salle, c'est tout. Et c'est tout. Bon j'arrive. Toujours déclippé. Super. Test en salle, ok. Demain, retour à Crozon pour valider mes compétences en milieu naturel. Body so fit, so full of spot. C'est sublime. Franchement, je pense que c'est l'un des plus beaux coins de Bretagne. Ouais. Non. Ça commence à se savoir. Hein. Ouais. Ah là, on aperçoit la Croix de Lorraine. Et ouais, c'est ça. Donc là, t'arrives à la pointe de Pénir, là. C'est le haut lieu de l'escalade bretonne et peut-être même du quart nord-ouest de la France, tu vois. C'est les calanques un peu de Marseille en Bretagne, quoi. C'est ça, ouais. C'est les calanques du Finistère, en fait. Oh,
bonjour. Salut Yannick. Salut Yannick. Nickel, parfait. Waouh. C'est pas trop long. Ça va, tu vas bien? Ouais, bien. En arrivant là, on s'est dit, ça souffle un peu quand même, non? Oh non, il n'y a pas de vent là, du coup. Monsieur ouais. Yannick Tessier, comment ça va? Ouais. Non, il n'y a pas trop de vent. Et donc, comment tu te sens là? Quelles sont les conditions pour aujourd'hui? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes? De toute façon, elles sont tout le temps bonnes pour toi. Beau, là. Ouais, bah écoute, déjà il pleut pas, hein. C'est un gros avantage, parce que quand il pleut en escalade, c'est assez moyen en fait. Ouais. Hein. Comment on appréhende un peu la falaise? Parce que là j'étais dans la voiture avec Serge et je me disais, il y avait un peu d'excitation et un petit peu d'appréhension en même temps. Oh, bah, va falloir se calmer un petit peu, je pense. Ok, d'accord. on va aller un peu calme, tranquillement. Ok. Et puis on va voir. Enfin, on va improviser de toute façon. Je vais juste aller observer ce qu'on va grimper, si ça te dérange pas. Alors, j'aimerais bien voir ça un petit peu. C'est tout droit par là-bas. Impressionnant ce lieu. Toi, t'as l'habitude d'être ici. Ouais, quelque part, ouais. Ouais. J'aime bien les défis, j'aime bien vivre des choses aux sensations fortes, et là, je ressens quand même un peu d'appréhension. C'est-à-dire que d'aller escalader une paroi où juste en dessous il y a la mer, il y a quelque chose de différent. Ouais, et là, en fait, c'est que du coup, t'as la mer qui est pas stable, donc ça va dérégler un peu ton oreille interne. Alors que ben, en salle hier, c'était bien stable, tu avais des ponts, points de repère, tu te retournais, il y avait. Enfin, tu avais des points de repère, mais vraiment qui ne bougeaient pas. Là, en fait, tu vas te retourner et là, il y a la mer qui bouge. Et moi, avec mes propres clients, du coup, je vais adapter en fait, les lieux aussi par rapport au ressenti qu'on a sur le parking. J'ai les sondes beaucoup, quand même, mine de rien. Et pour savoir, est-ce que je fais bien de les emmener à cet endroit-là ou faudrait peut-être que je les envoie à un autre endroit, quoi. Qu'est-ce que tu t'es dit en me regardant dans les yeux ce matin quand je suis arrivé sur le parking? On va bien rigoler. Ah ouais, ouais. C'est sûr. Et puis après, l'autre... Et en fait, j'ai regardé comment t'es venu jusqu'ici. Ouais. Je dis, oh, c'est bon, on va pas trop t'embêter, là. Ok. T'as pas trop peur. Je sais pas, on verra. T'as pas froid avec l'écharpe, façon que tu as là? Non, t'as vu, je suis bien. Ah ouais, ouais. En tout cas, c'est un moment, il va falloir la retirer. Donc. Est-ce que t'as encore un peu peur? Si, ouais, ça arrive. Ouais. J'ai un peu le vertige, quand même, mine de rien. On va dire pas vraiment le vertige maladif, mais le vertige que je suis obligé d'appréhender tout le temps, en fait. Au début de saison, bah, il faut que j'y aille, me mettre un peu en condition, et puis après, ça s'en va tranquillement. Donc une marée qui est en train de monter, là on a très très peu de temps pour démarrer. Ouais. Ça va être ça va être assez speed le départ. Ah ouais les gars, c'est chaud quand même. Wow. Alors, du coup. On va monter par là. Moi, je monte d'abord, Serge, j'y m'assure. Ok. Tu vois? La corse tend devant toi. Ok. Et en fait, tu me laisses 30 secondes, 1 minute, et tu y vas. Et de toute façon, il y a un moment, tu vas te rendre compte que je suis à la pêche comme ça, je suis en train de te tirer du haut. Ça veut dire que je te sécurise du haut. Ok. Faire ce truc là à chaque fois en fait. Quel talent! Faudrait que tu viennes jusqu'à moi.
belle grappe de raisin, on va tous s'accrocher ensemble. Le principe, c'est qu'il faut jamais que tu lâches en dessous, en fait. Tu vois, parce qu'en fait, tant que tu tiens en dessous, tu vois, ton frein, là, en fait, il va empêcher la corde de glisser. Tu vois, quand c'est comme ça, je tiens toujours en dessous. Quand c'est comme ça, ça tient. En fait, maintenant, si tu lâches complètement comme ça, si ton truc il est lâché, si lui il chute, bah ça file, quoi. Ok. Et le problème, c'est là, ça a pas l'air de filer vite, mais quand ça file vraiment, ça file très vite et tu peux pas la rattraper. En fait, si je tombe avant d'aller mettre la première dégaine, qu'est-ce qui se passe? Je tombe et je finis en bas. Tu vois? J'arrive pas à mettre la première dégaine, je tombe. Donc je tombe, et en fait je vais finir un peu plus bas et je vais me retrouver suspendu directement sur ton machin. Donc en fait je vais accélérer, mon corps va accélérer et ça va s'arrêter d'un coup. Donc je vais me prendre 1500 kg dans les hanches, en fait mes hanches explosent. Et tu n'arriveras même pas à me retenir, après tu vas me jeter par terre. En fait. Donc je sais pas si j'ai eu raison. Donc on va réduire la force en faisant juste une petite chose. Un petit renvoi. Tac. Ah ok, comme ça j'aurai moins voilà. De force. Ouais, si je tombe, ouais, ça va vraiment diviser les forces. Là en fait il y a un petit renvoi et tu arriveras à retenir en mettant la main en dessous. Derrière quoi. Ouais, voilà. Ça, ouais. Voilà, du coup t'as ma vie entre tes mains. C'est ça qui est bien. J'ai ta vie. J'ai ta vie entre mes mains. J'adore. Voilà. Ok. Et eh ben à tout à l'heure. Vas-y, ouais. À toutes. Alors tu vois, toujours maintenant, tu l'aides à progresser. Tu vois, tu lui donnes-nous à chaque fois. Là. Mais j'ai oublié de te dire, c'est assez facile quand même dans le banc. Voilà, si tu veux, là, il te montre... Je crois que je suis un peu stressé là. Il te montre la plante qu'il a mangée, là, tu vois, tu peux aller te faire un petit casse-croûte intermédiaire. Oh. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. C'est la corde qui a claqué dans le truc, c'est tout. Ok. On a l'impression qu'il emprunte un ange. Attention, la tête. Ah oui, j'ai lâché la ligne de vie. Complètement. Ouais, non. Enfin, c'est pas drôle, mais c'est un rire nerveux, là. Ouais. C'est bon. Ouais, tu peux y aller si t'as envie. Il me stresse. Attends. Ok, c'est bon. Je suis parti. Détendu, Marie, détendu. Continue encore un peu à gauche, Marine. Wouh ! On a réussi. Tu vas marcher sur le pied. C'est vrai ? Comment ça ? Et là, tu vas pouvoir t'accrocher ici. À quoi ? Là, la petite. Non, c'était comment de m'assurer ? T'as bah non, mais il y avait Serge. Merde. Si Serge était pas là, je pense que... J'aime bien mettre de la pression aux gens comme ça. Après, il te dira pas ce que j'ai fait. Hein. Non, je dirai rien. Enfin, tu diras. Oh, alors là, je vais te dire franchement, je suis habitué. Des fois, quand tu vois des clients, comment ils m'assurent, et là, je me prends un gros... Alors, on parlait de stress tout à l'heure. J'ai un système maintenant que j'ai acheté pour ça, parce que j'en avais marre. Finalement, je pensais que tu m'avais fait confiance et tout, que tu m'avais assuré. Monsieur. T'as aimé là jusqu'ici? Bah ouais, grave. C'est un peu long tout ça, la mise en place, mais je veux dire, la grimpe en elle-même était rigolote quoi. Bah carrément. Ouais. Là on a passé le plus dur. Oh punaise, on a monté ça? Ouais. Bah, t'as déjà regardé là? Non, t'as pas regardé encore? Non. Certains hivers, t'as tellement de houle qui arrive ici, mais avec une grosse puissance. T'as vu la croix de Lorraine là-haut? Mmh. Bah les embruns des vagues passent par-dessus la croix. Allez, ciao bambino. Alors tu vas faire. Enlève carrément la dégaine si tu veux, celle-là. T'es tombé là? Bah je sais pas, il m'a dit attends Marine, attends, donc j'ai glissé. Ah t'as glissé. Lâche la corde, si tu peux. Oh. T'as fait une chute. Hop là.
c'est bon. Le record de Yannick pour grimper les 80 mètres de cette falaise de grès, c'est 20 minutes. Moi, il me faut évidemment plus de temps, mais je parviens à vaincre la pointe de Pénir. Bon, comment on synthétise un peu une grimpe comme ça, toi, entre les sommets à 8000 et la pointe de Pénir? Il y a une grande différence ou pas? Ouais, si. En fait, dans l'escalade, tu grimpes, c'est presque... Tu vois, t'as tout ton posé de pied, tout ça, c'est beaucoup plus délicat, gestuel, quoi. Tu vois, et en fait, sur les sommets de 8000, souvent, en fait, t'es en train d'écrabouiller de la neige, quoi. C'est plus bourrin. C'est quand même ta plus grosse activité, c'est écrabouiller de la neige, quoi. Clairement, Yannick, ces faces, là, et ce qu'on vient de faire aujourd'hui, tu les as faites je sais pas combien de fois. Tu prends toujours le même plaisir à les grimper? Parce que tu les connais par cœur. J'ai pas de plaisir à les grimper, j'ai plaisir à envoyer du monde les grimper, en fait. C'est surtout ça. Ouais. Et puis faire partager, quoi. Ouais, faire partager. Ouais. Et c'est un prétexte pour rencontrer du monde. Pour moi, en fait. Mon travail, c'est ça. C'est un prétexte pour rencontrer du monde, voir ce qu'ils font dans leur vie. C'est un lieu d'échange. Ah ouais, c'est clair. Ouais, exactement, un lieu d'échange. Mmh. Ouais. Et puis moi, je suis plus à l'aise dans la falaise. En dehors de la falaise. Donc la discussion est plus fluide, on va dire. Plus fluide. T'as vu que je commençais à parler plus dans la falaise. Il causait. Il causait vachement. Ouais. Et sur la mer, c'est pareil. tu parles aussi. Ouais, c'est vraiment les endroits où je me sens à l'aise. Personne n'a de juger. Enfin, je sais pas, mais c'est... Tu te sens toi. Ouais. Plus à l'abri ici, quand même. Ouais, ça va, hein. Mais j'ai l'impression que le vent est baissé. Il y a plusieurs millions d'années, la furie des mouvements tectoniques a considérablement modifié le relief de la presqu'île de Crozon. Des criques, des falaises, des caps se sont formés, nous offrant un décor vertigineux. Yannick nous emmène dans un de ces lieux, la pointe de Dinan, pour admirer les derniers rayons de soleil. On serait pas mal par ici, quoi. Ouais, c'est pas mal, là. C'est pas mal, là. Il y a pire comme endroit, quoi. Après cette journée de grimpe, on est exténué. Mais le spectacle promet d'être beau. Le but de venir ici, c'était vraiment de se dire... C'est là que la grimpe a commencé, sur la presqu'île de Crozon. Ouais, sur la presqu'île de Crozon, c'est un des premiers spots, en fait, qui a été ouvert. Et si je dis pas de bêtises, c'est les années 60, quoi. Ok. Et après, plus tard, ils sont allés sur la pointe de Pénir, qui est juste en face de nous, donc avec les fameux tas de poids. Est-ce que c'est aussi une manière de voir et d'appréhender la nature un peu différemment? La nature, mais aussi même la vie, dans l'ensemble. Tu vois, je vais faire une citation d'un alpiniste. Citation de Sergio. Non, c'est pas moi qui l'ai dit. C'était Lionel Daudet là, qui était un grand alpiniste, qui est toujours un grand d'ailleurs. Et tu vois, il a écrit quelque part un truc comme ça où il disait celui qui n'a jamais risqué sa vie, c'est parce que c'est que la liberté, quoi. Je pense que c'est des phrases que tu te ressors comme ça dans ta tête et tu dis ouais, quand même, ça c'est vrai dans le fond, quoi. Si tu veux, c'est que je sais pas, peut-être tu peux dire ouais, bien sûr, on sort de la zone de confort, on prend des risques, on pourrait abréger notre petite existence comme ça, c'est possible. Mais en même temps, c'est quoi l'existence, si tu veux? Est-ce que c'est quoi? C'est comme un placement, là, un truc où tu mets des sous sur un compte en Suisse et puis t'attends que ça grossisse et puis, et puis qu'est-ce que t'en fous après, quoi, au bout du compte, quoi. Si tu veux. Moi, je crois pas, enfin, si tu veux, dans le fond, si tu veux, de toute façon, la vie, elle est limitée, il y a un début, il y a une fin, le problème, c'est qu'est-ce que tu fais entre les deux, quoi. Qu'est-ce que t'apportes aux autres, qu'est-ce que tu fais, enfin, là où tu vas pouvoir tourner, quoi, finalement, quoi. Dans mon métier, je risque. Il y a une partie de risque assez conséquent. Après, j'essaie de la contrôler parce que sinon, rien que pour ma famille, je dois contrôler ce genre de choses, quoi. Mais ce que je fais, c'est pas sans risque. Ça, c'est clair et net, quoi. En tout cas, messieurs, merci beaucoup.
Et ben... Franchement, c'était... j'étais entourée là. En tout cas, merci d'être venu. Hein. De deux coachs, mais de dingue, quoi. Franchement, c'était... j'étais en sécurité du début à la fin. Ça fait 5 ans que je rencontre des personnes comme vous, incroyables, qui donnaient de leur temps, qui accueillaient une équipe de tournage. Et c'était mon dernier tournage aujourd'hui. Et de le terminer sur les falaises de Pénir avec le coucher de soleil tout de suite là qui arrive. Ah ouais. Je pense que c'est le meilleur cadeau pour clôturer ce joli chapitre de ma vie en tout cas. Ouais, ouais. Ah ouais, non. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Non, vraiment, c'était trop sympa.